Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Medieval 2 tout à l'heure avec le mode Stainless Steel 6.4 pour l'épisode 17 de notre campagne avec le Saint-Empire romain germanique. La dernière fois, nous avions réussi à en finir avec la République de Gênes en prenant leur dernière cité Marseille, qu'on est en train d'actuellement de reconvertir en château. Ensuite, on a été excommunié, donc s'en est suivi ensuite une bataille contre le Danemark qui nous a bien aidé, on va dire, et là il y a une autre armée qui se prépare, donc on verra pour la suite pour préparer une troisième force pour la conquête des territoires danois. Étant donné qu'on est excommunié, on va essayer de profiter au maximum de ça pour récupérer le maximum de territoires aux Danois. Malheureusement, entre temps, les Hongrois nous ont redéclaré la guerre, donc on va devoir faire attention. Là, je vais faire une petite bataille en résolution auto avec les troupes que j'ai, je pense que ça doit aller, mais bon. Même si t'as quand même des bonnes troupes, les Hongrois, je pense qu'on peut la gagner facilement. Donc on va faire la résolution en tour, on va pas s'embêter. Voilà, du coup, on va rançonner. On n'est pas des monstres. Voilà. On gagne des sous. On va essayer de renflouer nos troupes au maximum. On a des archers, des lanciers pro. Hop. On va reconvertir les troupes qui nous manquent. Alors, déjà, ça. On va devoir reconvertir progressivement. Ensuite, on va commencer à préparer une nouvelle force d'invasion pour les Danois. Alors, on va commencer par. Alors, ici. On a déjà une armée ici en route. On va rapatrier les forces à Milan pour commencer. On va reconvertir cette milice, on a ça, tac, tac. Ouais, c'est plutôt bien. Ici, on a une bonne garnison. À Marseille, ça va redevenir bientôt un château. C'est très bien. Là, on aura un port en plus, ça va être parfait. Et dès que possible, quoique si on se mettait en route avec nos archers et nos lanciers professionnels du côté de Berne. Je pense que j'avais fait tout ce que j'avais à faire dans le tour. Attention à la menace des Siciliens parce qu'ils m'ont l'air assez vénère. Ici c'est bon, on avait tout fait, ça c'est cool. Alors à Milan on avait toujours un problème d'épidémie de peste, à Milan, à Venise. C'était ça le souci de l'épisode, donc on essaie de résoudre ça avec des bâtiments d'hygiène. En marche, soldats! On a pas mal de lanciers pro dans ce château, ça c'est cool. Et je crois que ce château-là avait aussi la peste malheureusement. Ok, donc c'est pas mal. On va essayer dès que possible de retourner au Danemark et calmer tout ce petit monde. Ici on est en train de reconvertir nos troupes, qui ont été un peu endommagées. On a des troupes professionnelles ici. Donc on va recruter un autre lancier. Et bientôt un deuxième homme d'armes et ce sera très bien. Donc on va passer le tour. Ah, ça va être une armée pas les toucher. Quoique c'est pas plus mal comme ça. Je vais essayer de rapatrier mon espion après pour prendre Arus en priorité. Ah, une espagnole. Salutations, Seigneur. Je viens discuter des questions importantes. Ouais. On va demander ça. Cela les aide par une offre plus équilibrée cette fois-ci, peut-être. Oublions okay. Ceci pour l'instant. Cette Au revoir. Entrevue ne nous a rien apporté. Olé. Et une nouvelle offensive hongroise, bien sûr.
Ah, ils vont pas nous lâcher, hein. Nous tiendrons ce siège en votre honneur, Kaiser. Ah, j'ai vraiment pas envie de faire une bataille contre les Hongrois, c'est tellement horrible. Ils ont toujours pas compris. Le roi de France est décédé. Aïe. La peste qui frappe à nouveau. Oh, oh là là, mais c'est pas vrai. Jawohl, Kaiser. Nein, Kaiser. Je ne peux y aller. Tout de suite, Kaiser. Il y a un général là. 5 unités ici. On va essayer de nettoyer un peu les. De toute façon, on peut pas toucher les croisés. Ça, on va éviter déjà. J'ai combien d'unités 4. J'avais pas un archer professionnel ici, si. Ça, je le ramène. Ce qui fait qu'il me reste 3 unités, donc 6. Et je vais commencer à utiliser l'armée de Sebastian von Nassau pour nettoyer un petit peu autour. Hop. On va le nettoyer. Un homme, ça va. Il se replie. Cette première armée va se mettre en route. Parce que derrière, ce qui m'ennuie, c'est que j'aurais pas de... j'ai peur de pas avoir assez de troupes pour. J'ai déjà préparé une seconde armée. Alors, les cavaliers. Je pense que cette première armée ira en... on va la renforcer de quelques unités de cavalerie. Je pense que là, on aura une force assez conséquente. Et il va falloir que je ramène aussi des troupes de... des autres cités pour. Oui, Kaiser. Jawohl, mein Kaiser. Ou alors je recruterai ici, hein, à la limite. Je vais recruter un nouveau lancier, ça. Ouais, on va recruter des troupes au maximum ici. Ok, niveau construction, on va voir un peu ce qu'on peut faire. Stoffen, c'est bon. On va bâtir une église à Stoffen pour l'ordre public. 2 unités d'archers à convertir, parfait. À Francfort. On a une arbitrerie vénitienne de réserve. Et ben on va former 2 unités de cavalerie de milice, on les enverra ici à Bologne. Pendant ce temps, cette force va repartir à Berne. On a des mines ici à développer, on va le faire tout de suite pour être tranquille. Renforcer notre économie. À Bologne, nous allons bâtir quoi? Peut-être ça pour réduire les coûts de construction. Là-bas, on va faire une ferme, ça devrait être bien, je pense. Là, on va renforcer un peu nos défenses. Et ici, si on tente la bataille, qu'est-ce que ça donne? On est à 10 contre 9 de ce qu'ils disent. Et j'ai peur qu'on se soit une égalité. On va essayer. Ah bah oui. Ah bah oui, ça va être une égalité. On va accepter la rançon. Et ils ont une grosse unité quand même. Hein. Oh la vache. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va falloir renforcer nos troupes à la frontière. On va essayer de former des renforts. On va essayer de rameuter des renforts de Stoffen, par exemple, pour les... pour aider, parce que sinon on va pas s'en sortir. Ils ont 2 tours pour y aller. C'est la fin de notre progression pour aujourd'hui. Ah, ils sont horribles, en gros, putain. Les Espagnols qui partent en croisade aussi. Tout le monde part en croisade ici, ça c'est cool. Je vais faire une banque là, tiens. Quels sont les ordres, Kaiser? On va essayer de s'attaquer au prince Hébé d'abord. Et cette deuxième armée, elle va former la seconde vague. En marche, soldat. Les deux massiers avec. On va déjà former un début d'armée, c'est comme ça qu'on fait. Donc on n'aura pas de cavalerie dans celle-là, mais bon. C'est pas grave. Si l'armée von Nassau peut prendre Arus dans cet épisode, ce serait bien, quoi.
niveau, je pense. Quoique c'est, je me méfie. Ah bon, ça, ils nous ont pas attaqué l'endroit. Donc nos renforts pourront rejoindre le coin. Du shit cave, je sais pas où ce qu'ils sont. Ah, ils étaient à... Rébellion en Bulgarie. Les Bulgares, ils se sont révoltés. On a eu un agent détecté hors de Pologne. Dès l'arrivée de Troubadour, c'est bien. Je prends. Alors, à Milan, en Venise, on a bâti plein de bâtiments pour leur public et l'hygiène. Ça a l'air d'être bon, l'épidémie, c'est tout. Oui, une fois, deux fois, trois fois. Bon. On va reformer ça, déjà. On a une ministre d'arbitrier reformée. Cet archer, je vais le ramener à Innsbruck. On va commencer à refaire la formation de troupes. Ouais, ouais, yavol. Donc en priorité, on va former les troupes endommagées, grièvement. Alors, Hambourg. On va reconvertir cette unité de lancier en supplément. On va reformer... Oh, il y a du monde ici. Mais bon, on va embarquer ça déjà. Toi, tu vas m'embarquer ces deux lanciers lourds. Les deux là aussi, vous venez. Par contre, on risque pas d'avoir de la cavalerie ici, c'est ça le souci. Je vais mettre deux lanciers comme ça. Donc, ça fera une armée un peu plus professionnelle, on va dire. Et je vais avancer à petits pas ici parce qu'avec l'armée, on ne sait jamais. En marche, soldats. En avant. Il n'y a pas d'armée, sérieux. En marche, soldats. Yavol Kaiser. Ok, bon. Bah, si on va déjà poser le siège d'Arus. Voilà. Alors, ici. On a une armée qui va les aider. Ah bah nous, il nous assiège encore. Ah ouais. Voilà. On les exécute pour l'exemple. Allez, Oust. Alors ici, on va renforcer de ça déjà. La cavalerie, on va la rapatrier à Salzbourg. Oh, mais il y a du monde là. Eh oh, doucement. Je suis pas assez d'une croisade que je sache en plus. Alors, Babenberg a gagné un point de commandement à 78 ans. Waouh, incroyable. Donc on va déjà faire ça. Les mercenaires derrière. Ici à Steffin, on va bâtir quoi? De l'infanterie. T'as tous mes généraux, ils sont âgés quand même. Hein. Là, je vais améliorer ça. Non, je vais plutôt faire un hôtel de ville pour l'hygiène et tout, ça peut être utile. Donc 4 tours de Marseille redonner dans un château. Je vais faire un bordel à Groningen dans les Flandres. Du côté de Cologne, je vais bâtir une église. Et ce sera déjà très bien. Ok. Je vais essayer de reconvertir les unités endommagées. Et ensuite, on mènera cette nouvelle force à l'offensive pour la conquête du Danemark. Bon, ils ont du mouvement ou pas? Non, ça va, ils sont loin. Et de toute façon, la deuxième armée là qui est en formation, elle va faire très mal, ça, je le promets. Hop, on repasse le tour et ensuite on fera la prise d'Arus en automatique. Je pense qu'il y a moyen. Avec les unités qu'on a. Donc bon. Alors apparemment, je vais te traiter d'impiété. Ah non, ça va. Donc bon, allez. Hop, dernier tour et prise d'Arus. Oh, c'est qui ça qui m'attaque? C'est le... Oh là là, je vais me faire... Oh, le pape m'en veut, là. Hein.
Tout ça parce que j'ai dit que ce commune ça fait cher quand même. Alors le pape, les Hongrois, les... Bah d'un autre côté si je suis en guerre avec le... Ah bah non ça m'emmerde un peu ça si je suis en guerre avec le pape. J'avais besoin d'une troisième armée en formation, mais bon. Encore un rebondissement qui fait que je vais devoir calmer un petit peu le respect. Maintenant le pape. Oh là là, ça va être horrible cette fin de campagne. Le Kanakumon est décédé. Oh, la vaste armée qui arrive. Le pape Ok, du européen. coup, on va faire le passage de, enfin, le combat. Je pense qu'on va prendre la ville facilement avec les troupes qu'on a. Donc bon, on est de la cavalerie, des archers professionnels, des arbalétriers. Ça devrait être suffisant, largement. Ouais, ça va. Arus est tombé. On récupère la cité. On va mettre notre imposition au minimum. Préparons la cité. On va voir si on peut reconvertir des troupes ici. Jawohl, mein Kaiser. Quels sont les autres, Kaiser? Jawohl, mein Kaiser. Oui, Kaiser. On aura des troupes professionnelles d'un certain standing. Oui, Kaiser. Jawohl, mein Kaiser. Hop, la Quels sont les cavalerie, c'est autres, Kaiser? bien. Oui, Kaiser. Oh, alors on va commencer par les trois chevaliers, les lanciers, la cavalerie là. Ensuite, bah, au moins on aura la forge au niveau maximum. On va faire une abbaye ici pour l'ordre public. Et hop, la capitale est tombée. Donc du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode 17. On aura commencé notre avancée en Scandinavie. Donc la prise d'Arus pour commencer, ensuite il faudra prendre Roxhild ici, Lund et peut-être une ou deux forteresses quelque part par là. Mais bon, là les Danois vont commencer à se retirer niveau économie, je pense. Par contre, j'espère que mon empereur va bientôt être intégré dans le giron catholique parce que Quels sont je les sais pas comment autres, je vais faire Kaiser? sinon. En marche, Ici soldats! on a toujours la peste, donc on va économiser des sous. On va voir un peu, on va faire le tour des bâtiments ici, on va faire une banque. Ok, ici on va faire une ferme à Venise ou plutôt un bâtiment de construction, réduction de coûts de construction. Ouais, ça peut être bien. Ça c'est fait, ça c'est bon. Il faut qu'on construise au maximum partout. Ici à Prague, une ferme. Attends, j'avais quoi ici? J'avais de la cavalerie. Jawohl, mein Kaiser. Donc on va rapatrier cette cavalerie du Jawohl. côté de la du Nous allons château. faire une halte ici, Kaiser. Hop, hop. Ok, au moins ça construit partout. Ah bah sauf là. Bon du coup je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc j'espère que vous passerez de très bonnes fêtes parce que cette vidéo vous sera publiée le lendemain de Noël, donc mercredi. Si vous avez aimé la vidéo, Quels n'hésitez sont pas à lâcher les un autres, pouce bleu, ça Kaiser? fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.